Bonjour et bienvenue sur Mini-PDLV, je suis ravi de vous accueillir dans ce studio absolument vide, enfin presque. Vous aurez noté qu'il y a ici une Alpine A110 et qu'il y a ici une berline, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec un intérieur crème et ça c'est rare. Aussi rare qu'un Vultec sur le différentiel. Voici donc la Volkswagen Passat W8, qui est un modèle on ne peut plus rare, enfin si il y a plus rare, mais il n'y a pas beaucoup plus rare pour une Passat. On attaque directement la revue et on parle du modèle après. Revenons à la Volkswagen Passat. C'est une voiture généralement très fiable, très endurante, mais également particulièrement ennuyante. Et il faut bien reconnaître que la génération B5 que nous avons là a vraiment un style des plus classiques. C'est vraiment la voiture classique par excellence. Et c'est pas franchement très dynamique visuellement. Et c'est là que Volkswagen s'est dit, il est temps de dynamiser enfin cette gamme. Et c'est ainsi qu'il y a des concepts car qui ont vu le jour, un petit peu comme la Volkswagen Golf à moteur W12 qui n'a pas eu de suite en série, mais ça je pense que tout le monde s'en doutait un petit peu. Il y a eu également la Volkswagen Phaeton et le Touareg qui ont hérité de moteurs V10 TDI et surtout d'un moteur W12, ce qui est complètement dingue. Quant à la Passat que nous avons là, elle a bénéficié d'un moteur W8. Alors, de base, le W8, c'est un moteur VR6, qu'on trouve par exemple sur les Golf 3 VR6, avec des cylindres inclinés à 15 degrés seulement. Ce moteur-là, ce VR6, il a été amputé de deux cylindres, ce qui donne un VR4. Et si on assemble deux VR4, ça fait un VR8, que l'on appelle plus communément W8. Et c'est donc ce moteur-là qui a été greffé sous la passate. Sous ce long capot, on trouve donc un moteur 8 cylindres, ce qui est complètement ouf. Qui est automatiquement corrélé à la transmission intégrale et à une boîte type tronique, donc avec, avec mode séquentiel à 5 rapports. Donc ce qui fait que la Passade W8, avec son 4 litres de 275 chevaux, elle est quand même relativement performante, sans être une super pour autant. Hein. C'est clairement pas sa vocation. Et moi ce qui me plaît le plus c'est que son style est vraiment resté très classique. On note le même bouclier, légèrement retravaillé, pas de bas de caisse particulier. Pas de ligne particulière, pas de, de contour de vitre noir, le pare-chocs avant est également très classique. Et tout ça, ce que j'aime bien, c'est que ça fait justement une voiture relativement discrète et pourtant terriblement efficace. Et ça, ça manque clairement chez Volkswagen de nos jours. D'ailleurs, ça manque chez tous les constructeurs, parce que maintenant, les versions les plus sportives sont dotées de packs esthétiques vraiment très très marqués. C'est agressif à l'extrême et ça va souvent même dans la caricature. Là, au final, on a quelque chose d'équilibré. Et c'est clairement davantage une voiture de passionné que ce que l'on peut voir de nos jours. En fait, pour aller plus loin, je dirais même que les seuls éléments qui trahissent la présence du W8, c'est le logo W8. C'est le logo W8, le logo Formotion qui est forcément corrélé au W8 et à une boîte type tronique à 5 rapports, les 4 sorties d'échappement et les jantes spécifiques à 6 doubles branches. 7. Cette voiture-là fut commercialisée de 2001 à 2004. Et la version qu'on a là, justement, elle a été reproduite par DNA Collectible à échelle 1.18ème. Donc on note déjà qu'on a le très, le très magnifique, le très beau bleu indigo avec un intérieur crème. Donc c'est une configuration qui marche vraiment bien. Et maintenant que vous savez tout sur ce modèle-là, on va parler plus en détail de la miniature et de sa finition. Alors je sais très bien que dès que je parle de DNA, il y a quand même pas mal d'hostilité et de gens qui disent que c'est trop cher pour ce que c'est. Moi ce que je veux en dire, c'est que la finition, elle est quand même très soignée dans l'ensemble. Par exemple... Les optiques n'ont pas de point de fixation, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Les sorties d'échappement sont très fines, les logos sont fins et réalistes. La calandre est très fine, on note le petit W8 à l'avant. Et les grilles d'aération eh ben, sont percées, ce qui donne un très bon niveau de réalisme. L'intérieur est très bien détaillé, d'ailleurs je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez le voir en détail. On retrouve des fonds de compteur imprimés, on a une belle sellerie, donc céleri en plastique mais fidèle. On note aussi qu'on a les ceintures de sécurité qui sont en tissu avec des boucles en métal. Donc ce qui fait que niveau réalisme, bah franchement, ça marche super bien. Après, il y a toujours des petites imperfections sur chaque miniature. Et là, effectivement, j'en ai sur mon exemplaire. Par exemple, j'ai un léger jour après la vitre de custode droite. Et euh, j'ai une petite pétouille dans le contour chromé de vitre. Donc c'est infime, hein. À ce niveau-là, voilà, ça devrait être un petit peu plus haut, et là, c'est un peu plus bas. Bon, c'est vraiment un détail, et ça se voit vraiment que quand on a les yeux dessus. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que le rendu général est vraiment très qualitatif. Comme c'est une miniature en résine, elle n'est pas très lourde, mais on a vraiment une sensation de qualité qui est présente. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus par le prix de vente, j'ajouterai que le tirage est limité à 320 exemplaires seulement. Donc, chaque modèle est numéroté. Ce qui fait que niveau rareté, ben c'est quand même bien supérieur à automobile. De toute façon, le but, ce n'est pas de faire une concurrence entre les fabricants. En termes de finition, je trouve, à titre de comparaison, qu'on est à peu près équivalent. Au moins aussi bien, en tout cas. Ce modèle-là, il est toujours disponible à la vente si il vous intéresse. Donc, vous pouvez le commander sur le site de DNA. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Le prix de vente, actuellement, il est fixé à 120 euros. Donc c'est une belle remise et je trouve que ça les vaut très largement. Donc c'est un modèle qui est sorti en août 2019 et il en reste quand même quelques exemplaires à la vente. Et d'ailleurs j'en profite pour faire une petite observation, c'est que le rétroviseur droit est plus court que celui de gauche. Alors c'est pas un défaut de la miniature, c'est la réalité des choses. À l'époque, Volkswagen avait fait le choix de faire un rétro passager toujours plus court que le rétro conducteur. Alors, la raison, je ne la connais pas, mais toujours est-il que c'est assez rigolo, à défaut d'être esthétique à mon sens. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques à faire sur cette miniature, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça, j'y répondrai. Moi, je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route, n'harcelez pas Villebrequin pour le vultex sur le différentiel, et prenez soin de vous. A très bientôt, ciao